Ah, vous êtes là. Ah ben, si vous êtes là, alors je vous montre un truc. C'est Eddie Mitchell. J'ai retrouvé une chanson, une de ses plus connues, La dernière séance, vous savez, celle où il relate avec beaucoup de nostalgie la fermeture de son petit cinéma de quartier de quand il était gamin. C'est comme toute la fin de sa jeunesse, tout ça. Hop là. Bon, c'est tout un style comme ça. Hein. Dans toutes les vies, il y a quelques événements symboliques qui sont qui jalonnent la sortie de notre enfance. Évidemment, le premier jour où on va à l'école, l'entrée en sixième, le tout premier ciné qu'on fait avec des copains. Certains adultes ont beaucoup de peine à sortir de l'enfance et continuent des fois de se comporter, certains toute leur vie, comme des adolescents, en particulier en faisant des choix qui leur sont imposés par les circonstances. Ce sont seulement les choix de l'intérêt immédiat. Autrement dit, c'est catastrophique. Alors, à ce sujet, on a souvent reproché à la religion en général, d'infantiliser les croyants en décidant à leur place, en leur imposant des règlements. Tu feras, tu feras pas. Au contraire, Dieu nous prend au sérieux. Dieu dit constamment, décide-toi. J'ai mis devant toi des choix, un choix de vie, un choix de mort. Choisis la vie. Ne fais pas des choix qui sont seulement les choix du plaisir, mais fais des choix adultes. L'histoire de Jésus n'est pas un vieux film sur lequel le rideau est tombé.